Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce tuto make-up. Donc, je suis partie sur une base de doré. Et vu que je suis habillée un peu en marron, doré, or, etc., avec un pantalon noir, pour faire la transition, j'ai choisi un rouge à lèvres hyper obscur. Vu que c'est la mode en ce moment. Hein. Donc, pour tout ce que j'ai utilisé, ça vient majoritairement de chez Kiko, mis à part le rouge à lèvres qui est d'une provenance que vous connaîtrez certainement, vous aurez certainement reconnu, et c'est la teinte Vamp Liquid Lipstick. Voilà, c'est ce petit A là. Voilà, tu vois le truc quoi. Donc, ça c'était pour le rouge à lèvres. Et puis, pour tout ce qui est du reste, donc je vous ai dit, c'est Kiko avec une base. Tout simplement, c'est la Cream Radiance Highlighter, donc pour la base pailletée, sur lequel j'ai rajouté le fard doré de la collection Cosmic Starlet, un truc comme ça. C'est le Cool Total Shadow en 01 Original Cream. Ensuite, j'ai utilisé pour l'ouverture du regard la bulle 02, donc c'est ça, c'est les Color Sphere, voilà, numéro 02. Ensuite, pour tout ce qui est creux de paupières, j'ai utilisé le 202, le Wet and Dry Eyeshadow. Et pour le ras de cils et le liner, j'ai utilisé le 206, Wet and Dry, voilà. Voilà. Et en fait, cette sphère-là, donc de la collection de Noël, vous le retrouvez aussi en highlighter sur le côté. Il me semble que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Ah, si, le mascara. Vu qu'en ce moment, c'est le Volumay Plus. Voilà. Je l'aime bien. Ça va. Il fait des cils naturels, mais je préfère l'Ultratech quand même. Donc, je vous laisse avec le tuto. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort, ciao!